pobre. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles.